Non, mais il y a des bananes à quignot. Il y a des bananes à quignot. Donc il y a des bananes à quignot, elles sont minuscules. Elles ne mûriront jamais parce qu'il ne fait pas assez chaud. Ouais. Mais je ne comprends pas parce que ça, je pensais que c'était la fleur. Et d'ailleurs, tu as vu, il y a des étamines. Ouais. Mais derrière, il y a des bananes. Alors, je ne comprends pas comment ça marche. Il faudrait que tu regardes. Mais est-ce que c'est... Oui, parce que ça, c'est la fleur, là. Est-ce que c'est ça qui se défait, qui fait les bananes, là? Je ne crois pas, parce qu'il n'y en avait pas là-haut. Il y en avait qu'une là et l'autre là qui est là, qui est mise. Parce qu'elle a pas cette soleil, ça va aller cacher. Et donc là, regarde celle-là. Et donc on est le combien là? On est début octobre, c'est ça? On est le 26 septembre. Ah oui, on est le 26 septembre. Ouais, donc elles mûriront jamais, à part s'il y a un été indien. Non, mais même, tu vois. Avec le réchauffement climatique, il y aura peut-être des bananes un jour encore. Ah oui, mais pas cette année. Oui, peut-être. On ne sait pas. Enfin, c'est étonnant comme truc. Et ça se mange en Inde, les fleurs de bananes. Les fleurs? Oui, oui, on fait plein de recettes avec des fleurs. Et d'ailleurs, on en vend chez Paris Store aussi. Des fleurs de bananier. Là, tu fais la pub pour Paris Store, là. Ah, c'est des fleurs de bananier. On en trouve, oui, à Paris Store, oui. Parce que ça doit se vendre dans toute l'Asie, j'imagine. Mais elles sont comment? Elles sont sèches? Non, ou fraîches. À Paris Store, on trouve des fleurs de bananier? Pas tout le temps, mais oui. D'accord. Bon, alors, comment on peut prouver qu'on est à Cugnot? Wow. Ça, j'en sais rien. Non, mais parce que si on montre l'endroit, après tout le monde va venir choper les bananes. Allez, mais merci. Merci Annie pour l'explication. Est-ce qu'on voit l'église? Non. On la voit pas. Donc, mais voilà. C'était les bananes de Cugnot.